Est-ce que j'avais rangé mes pierres noires déjà? Oh! Qu'est-il arrivé à la rage qui brûlait en toi? Allez, tu ne dois jamais pardonner aux sonnants leur barbarie. Souviens-toi du serment sur la tombe de ton père. Eh bien, en avant, mon fidèle destrier, et que nos chemins nous guident vers un avenir radieux. Ah merde! J'ai entendu des histoires à propos des clans de l'Orient. De ce que je vois, tu ressembles à une Aoki. Je sais qu'ils utilisent des épées courtes et des kunai. Je suis désolé de rouvrir cette plaie dans ton cœur. Si tu es vraiment ce que tu prétends, c'est un honneur de faire ta rencontre. Je ne vois pas l'intérêt de revenir sur ton passé maintenant. Je sais que ton clan a été éradiqué par les Sonnants au sud-est de Ryuta. Tu as vraiment oublié tout cela? Je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais j'ai entendu que c'était il y a un moment déjà. Mais lorsque j'ai visité Kusha pour étudier la grotte de la lave d'Omar, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Elle maniait un grand anneau tranchant, assez grand pour qu'elle se tienne elle-même. N'est-ce pas l'arme traditionnelle des Sonnants? Il est possible qu'il s'agisse de la femme que tu recherches. Je crois qu'il y a une conclusion à tout. J'espère que tu trouveras aussi la tienne. Ah là là, quelle réception affreuse de la part de Ray, n'est-ce pas mon ami? Eh oui, c'était vraiment affreux. Nous allons tout de suite voir les notes du jury accordées à cette prestation minable. Oh mon dieu, on espère qu'elle se rattrapera une prochaine fois. Oui, elle ne l'a pas volée celle-là, eh. C'était Gontran et Gustave en direct de Kusha à vous les studios. C'est vrai, une femme sonnant. Pauvre femme. Avec nous l'avons enterrée dans le désert de... Elle avait avec elle une... Elle l'entretenait comme la prunelle de... Enfin, j'ai voulu enterrer ce quelque chose de... Cela ressemble à la tombe mentionnée par la villageoise de Kusha. Hey, salut, tu veux jouer avec moi? Mais fous-moi la paix! Je disais donc... Cela ressemble à la tombe mentionnée par la villageoise de Kusha. Tu recherches, toi, depuis plus longtemps, son avidité, la couleur peut-être t'éprouveras-tu assez? Es-tu prêt à tester ta résolution et à me prouver ta valeur? Incroyable, cette pirouette magnifiquement exécutée. Oh oui, c'est très joli. Elle suivie d'une seconde pirouette et elle va tenter le grand saut. Oh mon dieu! Oh bonne mère. Donc après j'ai dû tuer des golems, ils sont hyper forts, ils sont hyper résistants, ils font super mal, j'ai vraiment galéré. Après ça j'ai croisé une autre Kunoichi qui devait faire les mêmes quêtes que moi, alors on s'est invité en groupe et on a tout dézingué ensemble très rapidement. On est allé au labo de Marnie, on a même fait la course, et j'ai enfin pu décrocher mon chakram. Je suis allé le tester à la tombe des morts, et je galérais vraiment. Petite interlude avec... Le jeu de l'esprit occulte. C'était le jeu de l'esprit occulte. Ça y est, j'ai enfin terminé.